Bonjour et bienvenue sur le vlog numéro 23 de mes aventures pour établir un terrain off-grid au Portugal. Dans ce vlog, je vais vous parler du premier gros chantier, enfin gros chantier pour moi, mais petit chantier, en gros de construction de la structure pour les panneaux solaires et aussi pour abriter le local technique. Les matériaux de contrôle de la pompe solaire et des panneaux solaires du photovoltaïque. Je vais construire cela en bois principalement. Et donc pour cela, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dû faire pour préparer, enfin ce que j'ai fait pour préparer le chantier. Parce que donc comme vous imaginez, il n'y a rien pour le moment. Et donc pour pouvoir travailler le plus économiquement, efficacement possible. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé une voie d'accès qui va de la route, qui est environ 300 mètres d'ici, donc tout le long d'une bordure du terrain, et qui va jusqu'à la zone du chantier. En espérant que ben, le camion il arrive à venir jusqu'ici. Et parce que sinon je vais devoir tout retransporter, ça va pas être économique du tout. Donc j'espère qu'il va venir jusqu'ici parallèlement aux palettes qu'on va décharger là. Et puis qu'il pourra soit faire demi-tour par là, soit faire une petite marche arrière et faire demi-tour un peu plus loin derrière. Alors, après l'aménagement des voies d'accès, ben ça paraît tout bête, mais bon, j'ai pas de bois sur le terrain, pour le moment encore, puisque j'ai pas encore fait de chantier, donc j'ai pas de chute et tout ça. Donc j'ai juste des palettes qui sont relativement économiques, je crois que c'est 2,50 € la palette. Donc là, je vais en prendre petit à petit un maximum, que j'utilise pour plein de choses. Et ici, rien que. Donc, je vais faire une zone simplement pour stocker le bois et qu'il soit protégé de la pluie et qu'il soit sur un plan plane. Or, le terrain est en pente dans les deux sens. Alors, rien que mettre trois palettes dans un plan plane, ça m'a pris au moins 1 heure de régler les palettes. C'est toute une histoire. Je sais pas si vous avez de meilleures idées que moi pour faire ça, mais bon, voilà, en vérifiant les niveaux, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. Quelque chose qui plane. Ici, c'est un profilé voilà, métallique. Et donc, j'ai vérifié le plan qu'on peut passer d'une palette à l'autre. Et donc, qu'on puisse stocker le bois dans des bonnes conditions. Parce que j'ai pas de local pour stocker. Et donc, ce que je vais faire, comme j'ai des panneaux USB et j'ai des poteaux et j'ai des profilés qui font 5 par 7, 5 par 8. 4,5 par 7,5 pour être précis. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai éloigné les palettes de 2,50 m, enfin du centre, la palette du centre, le bout c'est 2,50 m et l'autre bout c'est aussi 2,50 m. Les panneaux d'USB font 2,50 m et je vais d'abord mettre les panneaux d'USB à plat. C'est mieux de les stocker verticalement, mais bon là j'ai pas trop d'endroit pour les stocker verticalement. Il n'y a même pas un arbre convenable pour les stocker dans le coin. Sur une palette. Donc je vais les mettre horizontalement, quitte à mettre un support en bois en dessous au milieu, parce que ça c'est quand même presque 1 mètre sans rien en dessous. Le camion devrait apporter des chutes de découpe du magasin de bois, donc ça pourrait un peu aider. Mais donc je vais mettre quelques panneaux USB d'un côté, sur la moitié de la palette du centre jusqu'au bout, et quelques panneaux d'USB de l'autre côté. Et puis je vais stocker les profilés, etc. au-dessus. Donc voilà le plan. Je vais vous expliquer le design de structure de support des panneaux solaires auquel j'ai pensé. Bon, bah alors je suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Puis vous avez certainement d'autres idées, mais voilà, si ça peut vous donner des idées. Donc mon but c'était ben, d'utiliser le moins de bois possible. D'abord je pensais faire une structure où je puisse mettre les panneaux dans deux positions, une position mi-saison, une position hiver. Finalement c'est beaucoup plus facile parce que
dans mon design, je vais le faire que les panneaux sont fixes en position mi-saison. En été, de toute façon, on produit beaucoup plus. Et en hiver, bon, ben, il y aura un petit peu moins. Voilà. Mais c'est quand même un angle d'environ 40 degrés. Donc c'est comme en France en hiver, quoi. Ici, c'est la mi-saison. Donc voilà, mon but, c'était le minimum de bois. Voilà, et que ce soit solide, durable, le minimum d'entretien, et en même temps qu'il y ait le minimum d'impact. Donc ce que je vais faire, c'est que... Enfin, je vais vous expliquer comment je vais faire en vous montrant le lieu, en essayant de vous montrer sur place. Voilà, alors ici, j'ai simplement implanté les quatre coins. Donc ça va faire 9 mètres de long. Et il va y avoir 6 séries de 2 poteaux. Donc un poteau ici à l'arrière qui va être assez haut, qui va être le haut du panneau. Et un poteau à l'avant qui va être un poteau bas, qui va être l'avant du panneau. Le sud étant par là. Donc les panneaux vont être inclinés comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 6 triangles. Donc je vais relier les poteaux en bas et je vais faire une diagonale qui a la longueur du panneau. Ici, en l'occurrence, ça fera 2 mètres. Et ce que je veux faire pour éviter d'utiliser du bois, on va voir si ça marche, c'est que je vais, pour le moment, je vais pas mettre de... pas relier les 6 triangles par du bois. Je vais les laisser indépendants. Donc ils ne vont pas être contreventés, mais ils seront plus tard contreventés parce que sous les trois premiers triangles, il y aura les chambres techniques qui seront de forme triangulaire. Il y aura donc les batteries dans la première chambre, probablement. Et dans la deuxième chambre, il y a le système de contrôle du voltaïque et de la pompe à eau. Bon, vous verrez plus clair quand ce sera en cours de construction, mais voilà l'idée. C'est donc faire les locales techniques que je vais isoler avec du liège et aussi avec un pare-pluie, de telle manière que l'eau ne puisse pas s'infiltrer. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, ça va être contreventé par les locaux techniques dans cette direction-là. Et dans l'autre direction, c'est contreventé par les triangles. Et ensuite, les cités seront reliées par, plutôt qu'utiliser du bois, j'avais une autre idée, des profilés en acier, donc qui ont une forme comme ça d'une assiette, et qui vont donc à trois niveaux, sur le haut du panneau, au milieu et en bas du triangle. Et donc les panneaux vont venir se poser dessus. Bon, il y aura, pour mettre le minimum de bois et le avoir le enfin j'ai décidé de mettre seulement 6 poteaux par rangée, donc il y aura des distances de 2,20 m entre certains poteaux, mais les panneaux faisant qu'une vingtaine de kilos, bon, avec trois profilés et plus la pente, ben le poids sera de je sais pas, peut-être 30 kilos à porter sur trois profilés, donc je crois qu'il n'y aura aucun problème. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, bon, j'aurais pu le faire de manière moins chère, parce que ça revient quand même à 900 balles de bois, malgré tout, parce qu'il y a aussi des panneaux USB, etc. Il y a aussi des lithos pour faire les portes et tout ça, et pour renforcer la structure. J'aurais pu mettre des poteaux de clôture, mais j'ai décidé de mettre des poteaux carrés et de les surélever du sol. Je veux pas mettre, si possible, de ciment, de béton, pas d'implantation. Donc que tout soit démontable, sans impact. Donc ben, j'ai décidé de mettre des socles plantés. Normalement, on met du béton de ciment autour des socles. Je vais essayer de le faire sans. Si c'est pas assez solide, ben, il faudra que je mette quelque chose, je trouve une solution. Mais je vais essayer de les planter donc à la barre à mine de préparer un trou. Et puis voilà, il va falloir les régler verticalement, mettre des sortes d'étais pour qu'ils soient bien d'aplomb. Donc ça va être un peu rigolo.
Voilà, je vais un peu galérer, mais bon, sur le principe, vous verrez. Sur le principe, c'est relativement clair, a priori. Donc, voilà, les poteaux, c'est des 9 par 9. J'aurais pris des 7 par 7 s'ils étaient disponibles, mais il n'y en avait pas pour le moment. Donc, en principe, toute la structure sera en haut du sol. C'est du bois résistant à l'eau, donc du bois traité. Vous voyez, c'est ce bois un peu couleur vert. Et donc, ça devrait durer longtemps, j'espère, autant que les panneaux solaires. J'espère si c'est bien fait. Ok, donc voilà, ici vous voyez les trois panneaux à la droite, c'est des panneaux pour la pompe solaire, donc la pompe qui va pomper de l'eau à plus de 100 mètres de profondeur. Et les six panneaux qui sont à gauche, c'est les panneaux pour le système solaire électrique, donc pour charger des batteries. Alors ici, sous ces trois panneaux, donc il y a le local technique. Donc il y a deux locales techniques. Il y a un local technique, là que je vais ouvrir un peu, je vais mettre plus d'aération parce que il fait très chaud avec les batteries. Et donc il y a les quatre batteries qui sont là. Et puis ici, donc comme je vous avais déjà montré, là il y a tout qui fonctionne en fait. Et voilà, les batteries sont à 30,5 volts, et pour le moment les panneaux produisent 1634 watts. C'est un potentiel de 2000 watts, hein, de panneaux, mais bon, généralement il y a environ 15% en moins. Et donc voilà, l'inverteur il est en route, en fait je peux l'éteindre parce qu'il n'y a rien qui est utilisé, et la pompe elle est sur off, mais bon, il suffit que je la mette en route et il y a de l'eau. Donc ça fonctionne, il y a encore quelques petites bidouilles à installer. Donc ça c'est la construction des panneaux solaires, il y a déjà pour 800 balles de matériaux, c'est tout un travail. C'est plus ou moins une semaine de travail. Ici, donc les panneaux, j'ai fait des triangles, et donc j'ai mis des profilés aluminium, trois profilés aluminium, et j'ai fixé les panneaux comme ça. Après, le panneau du milieu au-dessus, c'est difficile de fixer parce que j'ai pas beaucoup la place, donc je dois encore voir comment je vais faire. Sinon, voilà le système auquel j'ai pensé. Et puis c'est tout isolé, donc il y a un pare-pluie et puis il y a du liège pour isoler de la chaleur. Alors voici l'autre système. Ça c'est un système super simple. Alors là, c'est en un jour j'ai construit ça. Je ne reviens pas. C'est avec des poteaux de jardin traités, des poteaux de clôture en fait. Et voilà, c'est simplement quatre grands poteaux, quatre petits poteaux, un contreventement donc dans chaque direction, au début et à la fin, donc que j'ai fait. Et là, pour le moment, j'ai mis juste des sandos, je crois que ça s'appelle, ou des sangles, quoi. Ça c'est pour les fils et pour les panneaux aussi. C'est temporaire, mais bon, c'est assez solide, je pense. Et en bas, on a expérimenté un nouveau système, c'est assez sympa. Alors vous voyez, en bas, les panneaux viennent reposer sur les poteaux. Et au centre, où il n'y a pas de poteaux, j'ai mis une petite butée. Et donc j'ai découpé une petite pièce à aluminium. Des pièces qui sont des pièces de charpentier qui sont faites pour lier les morceaux de bois. J'ai découpé et j'ai simplement vissé sur la partie métallique. Et donc voilà, ça bouge pas du tout. C'est hyper solide. Et voilà. Voilà les deux systèmes. Et puis je vais vous montrer aussi le câble électrique. Donc en fait, de l'inverteur, il y a le câble, voilà, qui
qui va dans la salle des machines et qui va en fait dans ce boîtier ici, dans ce boîtier là, tac, et puis ce boîtier là il est connecté à l'inverteur, voilà qui est ce grand machin. Et puis ce fil électrique il va alimenter tous les différentes habitations, les différents lieux.